Mes habits sont-ils prêts? Ok, je viens les récupérer aujourd'hui. Dans l'après-midi, ouais. Hey, chérie. Yeah. Chérie, je suis prête à partir. Ok. Waouh. Quelqu'un me semble prêt à sauver le monde. Regarde, de quoi j'ai l'air. Tu es très beau. Tu es magnifique, sincèrement. Merci. Fais un tour sur toi, que je confirme, que je t'admire. Tu es élégant comme toujours. Bien que je fasse les dernières retouches. Mm-hmm. C'est ouais, bien. Tu es très beau. Tu es radieux. Wow. Chérie. Magnifique. Qu'aurais-je fait sans toi? Laisse-moi réfléchir. Tu serais certainement un homme perdu. Tu ne cesseras de m'amuser, toi. Oh, bon Dieu. Honnêtement, tu es radieux. Merci. Mon amour. Mm-hmm. Va et décroche-moi ce contrat, d'accord? Je le ferai. Mes bénédictions t'accompagnent. Merci. Si jamais je l'ai, je vais te surprendre. Ah, tu sais ce que je veux? Tu le sais? Non. Une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture? Oui. Dans ce cas, tu l'auras. Oui! Merci beaucoup. Ok, maintenant il faut y aller. Oh, arrêtez un peu ça. Ah. Regardez mon papa. Papa. Mais ravissante fille. Tu ressembles au président des États-Unis. Merci, Mimi. D'accord, papa. Ah, papa. N'oublie pas que t'as promis de m'amener en balade aujourd'hui. Ne brise pas ta promesse. Sophie, sortir. C'est tout ce que tu sais faire, hein? S'il te plaît, laisse un peu papa souffler. C'est d'accord, les filles. C'est d'accord. Papa n'est pas du tout connu comme étant un briseur de promesses, ok? Si c'est aller en balade qui vous enchante, alors vous irez. Magnifique. Magnifique. Alors, vous êtes satisfaite maintenant? Oui, okay, papa. Ok, je dois me dépêcher. Adana! Adana! Oui, madame. S'il te plaît, amène ce sac à la voiture. Tu vas beaucoup manquer, chérie. D'accord, j'y vais. Okay, d'accord. Je me dépêche maintenant. D'accord, bye-bye. D'accord, que ta bénédiction m'accompagne. Oui, oh, toujours. D'accord, les filles. Les filles des sorties. J'y serai bientôt. Non, c'est d'accord. Pourquoi ne pas me retrouver au ministère tout à l'heure pour discuter de ces choses, hein? 11h, bien, ok. Chérie? Oui, Chou. Je ne suis pas très rassurée par rapport à cette réunion. Dis-leur que tu es souffrant. Est-ce que tu t'entends une seconde, mon cœur? Au bout du compte, c'est toi qui veux toujours une nouvelle coupe sur la tête? Un voyage à Dubaï avec les gosses? Comment penses-tu que j'arrive à subvenir à tous ces besoins luxueux si j'invente une maladie à chaque fois que j'ai une grosse affaire à signer? Ah. Pas de souci. Où est Gilbert? Ah, il est à l'intérieur. Gilbert? Viens, garçon. T'inquiète pas. Oui, papa. Où est ma mallette? Je l'ai mis dans la voiture. Oh. Très bien. Chérie. Oui. S'il te plaît. Une dernière encore. S'il te plaît. Arrête. Arrête ça, femme. Ok, tout ira bien, ok? Mais un point que je note. Tu devrais voir le docteur. Parce que je ne comprends pas ces incessants cauchemars que tu as eus récemment. Tu dois vraiment voir un docteur. Gilles, oui? Prends soin de ta mère, j'irai bien, ok? Gilles, à plus tard. À plus tard, garçon. Bye. Tu devrais déjà savoir que papa est très têtu. Ça, je le sais. Je prie juste pour que rien de mal ne lui arrive. Maman, tu t'inquiètes beaucoup.
Rien de mal ne va lui arriver. Oui, mon fils, rien n'arrivera à papa. Allons à l'intérieur, d'accord? Ok. Avila manque difficilement le petit déjeuner. J'espère qu'elle va bien. Oui, elle va bien. Ou alors je devrais encore aller vérifier? Oui, s'il te plaît, fais-le. Bonjour, papa. Bonjour, ma princesse. Bonjour, maman. Jeune fille, tu nous as fait attendre. Je suis désolée, maman. Ça n'arrivera plus. Ça va. C'est bon. Mangeons. La nourriture prend froid. S'il te plaît, maman, tu peux me passer de l'eau? D'accord. Tiens-le. C'est chaud. As-tu écouté le dernier morceau? Non, fais-moi écouter, s'il te plaît. Voyons. Je pensais que tu étais abonné à tous ces trucs, non? Fais-moi écouter, non? Laisse-moi d'abord l'enregistrer. Quelqu'un vient juste de me l'envoyer. Tu es sérieuse? S'il te plaît, dépêche-toi, tu me laisses dans le suspense. Allez, je vais écouter. Ah, calme-toi, non? C'est quoi le problème? Dépêche-toi, non? Ah. Patiente, ok? J'ai l'enregistré. Sois un peu rapide, non? Je vais écouter. Papa est-il de retour? Non. J'ai entendu des voix. Non, il n'est pas encore rentré. Il doit être pris au bureau. Mais il a promis qu'il reviendra le plus tôt possible. Qui sait? Peut-être qu'il t'a oublié. Oh. C'est évident que quelqu'un serait jalouse. Tu devrais savoir que le monde ne tourne pas seulement autour de Sophie et toi. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. As-tu déjà songé que quelque chose lui serait peut-être arrivé? Hein, Sophie? Je peux toujours t'y amener si tu le souhaites. Ne t'en fais pas. Attendons juste le retour de papa. En fait, j'ai même plus envie d'y aller. Sophie, bébé, t'es toi, sûre? Tu ne voudrais plus sortir. Je vais tout entendre. Okay. Toi? Mes règles sont très simples. Et si vous les respectez, vous rentrerez dans vos familles sains et saufs. Et? Mais si vous vous jouez de moi, alors c'est clair que vous mourrez. Qui êtes-vous? Que voulez-vous exactement de nous? Mais de quelles règles parlez-vous en plus? L'affaire... Silence! Aïe, aïe, désolé. Considérez-moi comme votre pire cauchemar. J'aurais souhaité que tout ce drame ici ne soit qu'un cauchemar. Oh. Au moins, je pourrais me réveiller. Silence. Silence. Je vois que t'as une fâcheuse habitude de trop bavarder. Monsieur le râleur. Alors, commençons par toi. Donne-moi le numéro de ta femme. Le numéro de ta femme. Râleur! Mais donne le numéro. Ok, d'accord, attendez. 090. 1-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 
Tu es sûr que nous serons toujours en vie? Tais-toi, ils vont nous entendre. Et dans votre camp. Jouez-leur comme vous le souhaitez. Et... laissez-nous. Laissez-nous partir, s'il vous plaît. Je prélève d'abord le peu d'argent que tu as. S'il vous plaît. Ça fait mal, ça fait mal. Maman. Maman. Maman, tu vas bien? Oui, je... Tu as l'air inquiète. Je vais bien. C'est juste que ton père n'est pas encore de retour. Es-tu sûre qu'ils sont en sécurité? Oui, il est en sécurité. Il a juste eu un appel d'urgence et il a dû partir pour Abuja. Mais pourquoi n'a-t-il pas appelé? Sa batterie. Oui, sa batterie. Je pense que son téléphone s'est éteint. C'est pour ça. Adako, calme-toi, d'accord? Tout va bien. Rentre juste t'occuper de ton frère. D'accord? Ça va aller. La vie de maman. Oui. Gilbert, mon fils. Oui. Adako et toi, à partir d'aujourd'hui, je voudrais que vous dormiez dans ma chambre. Jusqu'à ce que papa rentre, d'accord? Non, maman, je vais continuer à dormir dans ma chambre. Quoi? Tu n'as pas écouté maman? Ou tu voudrais lui désobéir? Nous dormirons ici. Et qu'arrivera-t-il à ma chambre? Je veux simplement veiller sur vous, d'accord? Ou alors tu voudrais que maman se sente seule ici? D'accord, je vais te tenir compagnie. Oh, mon amour. Je t'aime, mon bébé. Dormant. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Comment puis-je vous aider? Il y a du nouveau en ville, monsieur. Que voulez-vous dire? Le père de votre filleule, le ministre du Développement et le ministre de l'Information ont été kidnappés cet après-midi, monsieur. Et aussi, les kidnappeurs demandent une somme de 50 millions pour chacun. 50 millions de quoi? 50 millions de naira pour chacun. C'est ridicule, ça. Adako. Adako. Maman, je voudrais que tu saches que papa va rentrer sain et sauf. De quoi est-ce que tu parles? Maman, je sais tout. Et je sais pourquoi tu veux qu'on aille chez tata Tina ce soir. Maman, c'est dans tous les journaux et sur Internet. Je l'ai pourtant prévenu. Mais il n'écoute jamais. Ça va aller, Adako. Ça va aller, ma fille. Arrête. Ça va aller, d'accord?
C'est bon. Attends un peu. Aisé. Je voudrais juste que tu m'expliques bien les choses. Essayerais-tu de me faire comprendre que deux ministres ont été kidnappés en même temps? Non. Cette histoire ne tient pas la route. Alors là, pas du tout. Je ne te crois pas. Je te plains pas. C'est vrai, je te plains pas. Tu vends des télévisions, mais t'as même pas une dans ta maison. Hein? Comment sauras-tu ce qui se passe dans ton pays? Je sais que tu es mon ami, alors je pourrais toujours venir chez toi pour avoir la moindre information. Alors tu dois croire tout ce que je te raconte. Écoute. J'ai entendu dire que... ils leur ont demandé une rançon de 50 millions naira. Et chacun d'entre eux, 50 millions, 100 millions de naira. Nom de Dieu, mais ce n'est pas possible, ça. 50 quoi? Où pensent-ils qu'ils trouveront cette énorme somme d'argent? Dans ce pays où la situation est difficile? Hey! Non, c'est trop ça. Ah! J'ai dit, tu t'entends parler? T'es un larbin ou quoi? T'as oublié qu'ils sont des politiciens? T'as oublié? Ils les prendront dans les caisses de l'État. Ou tu penses qu'ils sont des citoyens ordinaires comme toi? Ah, aisé. Arrête avec ça. Arrête avec ça toi aussi. Mon frère, si tu veux m'insulter toi aussi, mon frère, quand même, donne-moi des signes. Donne-moi quand même un signe. Fais-le autrement au lieu de me traiter de citoyen ordinaire. Pardon, arrête avec ça. Je ne veux pas. Regarde-toi. Tu parles et tu gardes un œil sur ma boisson, c'est ça? C'est bon, on va partager. Tu connais ces choses. Je vais t'en donner. Je sais ce qu'il te faut. Regarde-toi, tu transpires. Voilà, tiens. Tu transpires. Vas-y, bois. Adana, je t'ai fait sortir parce que je ne veux pas que les deux autres nous écoutent. Ok. Papa a été kidnappé. D'où? Jésus. S'il te plaît. Où? Quand? Et comment? Adana, l'heure n'est pas aux questions. Je ne veux pas que Sophie et Cade la prennent. Ah, Jésus. Promets-le-moi. Adana, promets-le-moi. Ma bouche est cousue. S'il te plaît. Aïe! Hein? Qui veut me faire ça? Ma seule source de revenus. Ah, Seigneur Jésus! Que la personne qui veut utiliser sa part pour détruire ma part. Père, envoie-leur le feu. Détruis-les. Aïe! Ah, c'est bon. Qui sont-ils? C'est bon, laisse tomber. Écoute, je vais te dire. Aucune personne née d'une femme ne peut voler dans ma boutique. C'est pas possible. Jamais de la vie. Oh. Hey! Aisé, mon gars. Mon gars aisé. Tu sais, quand je te vois quelquefois en train de parler ainsi, je suis simplement ébloui. Écoute, aisé. Laisse-moi te dire une simple vérité. Juste prie ton Dieu. Prie-le afin que ces mauvais garçons, un jour, qu'ils ne se rappellent pas de toi. Qu'ils ne se souviennent alors là pas de toi, parce que s'ils le font... Oh, mon pote, laisse tomber cette histoire. Je t'ai dit, laisse tomber. Écoute. Oublie mon visage d'enfant et ma douce voix. Ou bien tu veux que je joue mes cartes. Ou que je te donne mon parcours. Va à IMSU. C'est là-bas que j'ai obtenu mes diplômes. Vas-y, ils vont te donner. Mais tu parles de quoi, là? Personne au monde, je dis bien personne, peut me voler dans ma boutique. Hey! Je suis pas prétentieux. Je suis juste sûr de moi. Odoguote. Dingpa. Gaganogo. Je suis pas prétentieux, mon pote. Je comprends maintenant pourquoi tous les gars de ce coin, mon gars, ont du respect pour toi. Ah! Mon gars, tu es fort. Je crois que je fais confiance. Je fais pas de bruit, mon pote. Le calme est très profond. Une fois. Tu comprends? Une fois. Je suis sûr de moi. Une fois. Une fois. C'est moi qui te dis. Mec, écoute, j'ai remarqué une chose. Chaque fois que tu viens ici, t'achètes même rien. C'est quoi le problème? Achète quelque chose. Aisé, tu sais, les choses sont dures. Ces derniers temps, les choses sont dures. Tu vois, le marché ne donne pas comme d'habitude. Mais je te promets que si les choses commencent à aller dans le bon sens, je te ferai un geste. Tu es quand même mon ami. Quand j'arrive, tu dois me proposer la cola. Et quand tu viens à la maison, je pourrai cuisiner des spaghettis pour que tu manges. Bah, ok. C'est sans problème.
Je ne sais quoi faire, ma fille. Je ne sais pas. Ces gens nous ont déstabilisés. Honnêtement. Votre téléphone sonne, madame. Madame, il sonne. Allô? Il vous reste 24 heures pour payer la rançon. Sinon, votre mari mourra. Souvenez-vous de ne pas impliquer la police. Je répète, n'impliquez pas, surtout pas la police. Maman, c'était qui? Maman. Maman, c'est quoi le souci? Maman, qui est en ligne? Maman, dis-le-moi, qui t'a appelé? Les kidnappeurs. Et qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils demandaient la rançon. Oh, mon Dieu! Maman, calme-toi. T'inquiète pas, ça ira. Bonsoir. Maman, dis-moi, quand est-ce que papa sera de retour? Il me manque vraiment. Chérie, il sera bientôt de retour, d'accord? Oui, il est sur le chemin de retour. Maman, ce sont des larmes que je vois sur ton visage. Bébé, viens, j'ai quelque chose pour toi. Viens. Hein? Viens. Maman? On y va, viens. Maman, mais elle non, pleure. Non, maman ne pleure pas du tout. Viens, on y va, chérie. Es-tu sûre? Oui. Entrez. Madame? Inspecteur. Votre humeur est éteinte. J'espère que tout va bien. Pourquoi pleurez-vous? Parlez-moi, je suis là pour vous. La police est votre amie. C'est pour ça que je suis là. Des nouvelles des kidnappeurs. S'il vous plaît, dites-moi tout. Madame, ressaisissez-vous et parlez-moi. Quoi donc? Ils ont appelé. Qu'ont-ils dit exactement? Je vous écoute. J'ai besoin de cette information. Inspecteur. Oui, madame. Ils demandaient une rançon. Je suis au courant. Mais cela ne devrait pas être un problème. Vous voyez, madame, avec ça, nous les aurons. Vous savez ce que j'aimerais qu'on fasse? Je voudrais qu'on paye la rançon. Vous réunissez l'argent et nous irons avec vous. Mes hommes et moi allons le tendre une embuscade. Et nous les attraperons tous, les uns après les autres. Et à la fin, nous reviendrons avec l'argent et votre mari. Vous verrez qu'à la fin, nous serons les vainqueurs. Faites-moi confiance, ça marchera comme prévu. En fait, sachez qu'avec la localisation et les indices que nous avons, nous les aurons facilement. Donc ne vous tracassez pas. Arrêtez de pleurer, madame. Écoutez, suivons le plan et nous irons avec l'agent. Nous les tendrons en embuscade. Et avant de vous rendre compte, nous les aurons attrapés les uns après les autres. Inspecteur. Oui, madame. S'il vous plaît. Je ne pense pas que je voudrais mêler la police à ça. Pardon? Mais non, vous ne pouvez pas faire ça. Madame, êtes-vous vraiment sûre que vous voulez procéder ainsi? Je veux dire, traiter cette affaire sans l'intervention de la police? Non, ce n'est pas bien. Laissez-nous faire notre travail. Et je vous promets que les résultats seront bons et favorables. Faites-moi confiance. Oh. Inspecteur, s'il vous plaît, je ne voudrais pas perdre mon mari. Honnêtement. Vous n'allez pas le perdre. Vous allez récupérer votre argent et votre mari. Faites-moi confiance. S'il vous plaît, non. Pardon? Je le ferai seul. Je vous en prie. S'il vous plaît, je vous en prie. Vous voulez le faire sans impliquer la police? Oui, oui.
Miracle! Donc papa a disparu et personne n'a eu le toupet de me le dire. En tant que qui? En tant que le SDDP? Hein? Superman ou Jackie Chan, lequel? Maintenant que tu es au courant, tu ferais mieux de fermer ta bouche pour que Sophia ne l'entende pas. Peu importe. Mais attends, 50 millions de Naira? Chut, elle arrive. S'il te plaît, passe-moi ton chargeur. Le mien a un souci. Ok, je n'ai même plus de batterie. C'est dans la chambre. Toutes les deux, vous me cachez quelque chose. Mais ne vous en faites pas. Je la découvrirai aussi vite que vous ne le pensez. Mon cœur, il n'y a rien à découvrir parce que nous ne te cachons rien. Bien sûr que non. Hein? Elle a failli nous attraper. Mais elle n'a pas fait. Qu'elle s'en aille. Honnêtement, cela prend vraiment de l'envergure. Mais nous faisons tout ce que nous pouvons pour les avoir. Et je vous promets que nous allons tous les avoir. Et votre mari s'en sortira, sain et sauf, sans aucun dommage. C'est lui qui est en train d'appeler. Wow. Écoute, mets-le sur haut-parleur et donne-moi du temps pour que je puisse le localiser. Allô? Maintenant, écoutez-moi. Et écoutez très attentivement. Si tu veux voir le corps de ton mari, alors amène-toi avec la police. D'accord, mais puis-je quand même lui parler pour me rassurer qu'il soit toujours... Le bâtard a raccroché. Il est beaucoup plus malin que nous l'imaginions. Il est vraiment très malin. Mais je vous promets qu'il aura affaire à la justice. Faites-moi confiance. Mais... Écoutez, la police nigériane fera absolument tout ce qui est impossible pour les capturer et libérer votre mari. Mais vous l'avez entendu. Il a dit pas de police. Et je ne veux pas me retrouver veuve à cet âge. Madame, vous êtes sûre de vouloir le faire de cette façon? Je veux dire, régler cette affaire sans l'implication de la police. Ça ne me dérange pas. Ah, mais il n'y a personne ici. Suis-je exactement au bon endroit? Oh, bon sang. Ah. Oh. Déposez Allô? L'argent et allez-vous-en immédiatement. S'il vous plaît, mais puis-je voir mon mari, s'il vous plaît? Je vous ai demandé de poser cet argent et de partir tout de suite. Allô? Je sais que vous êtes là. Déposez l'argent. Tournez-vous. Dégagez. Mais vous... Il n'y a pas de mais. Partez.
Allons-y. Allons-y. Filons. Allons-y, allons-y. Papa, tu m'as vraiment manqué. Moi également, papa. Vous m'avez manqué, ma petite princesse. Pardonnez-moi, Chief. J'ai appris que vous et votre ami avez déboursé une somme de 50 millions de naira chacun pour payer aux kidnappeurs. Est-ce vrai? Est-ce que vous avez un problème avec ça? Pas vraiment, monsieur. Juste que vous auriez dû laisser la police faire son travail. Nous étions vraiment déterminés à attraper ces criminels et en finir avec eux une bonne fois pour toutes. Mais vous n'avez pas permis à la police de faire son travail. Permettre à la police de faire son travail? Oui, monsieur. Ok, imaginons que nous vous laissions, vous et vos hommes, faire votre travail, comme vous le dites. Saviez-vous quelles en seraient les conséquences? Gardez votre souffle. Je vais vous dire. Quelle mauvaise journée. Le ministre de l'Information et le ministre du Développement se sont fait tuer par leur kidnappeur. Après que la police a essayé d'intervenir. Et laissez-moi vous dire que vous n'avez aucun droit, encore moins aucune audace, de venir chez moi pour me dire ce qui est bien et ce qui est mauvais. Je suis désolé, Tiff. Vous devriez l'être. Je ne voulais pas vous contrarier. Excusez-moi, je vais devoir partir. Cette histoire est vraiment compliquée. Moana. Hein? Ça va aller. Oh, Diego. Lola. Oui, ma chère. S'il te plaît, je veux profiter de cette occasion pour vous remercier, Tifobi et toi, pour le soutien que vous nous avez apporté. Tu sais, quand mon mari et son ami se sont fait kidnapper. C'est rien. C'est rien. Je suis contente, vraiment heureuse qu'il nous soit revenu sain et sauf. Gloire à Dieu. Oui, nous rendons à Dieu toute la gloire. Amen. Une fois de plus, merci, ma. Merci, ma chère. Rendons grâce à Dieu. J'ai appris que Tiff est momentanément indisponible. Oui, c'est le cas. Mais chaque fois, il vous envoie son bonjour et son amour. D'accord. On remercie le ciel pour votre aide. Merci. Que le nom du Seigneur soit prié et adoré pour toujours. Amen. Au nom de Jésus. Nous Amen. Sommes très contents. Nous sommes contents pour vous. Merci beaucoup. Heureux. Merci, ma. S'il te plaît, transmets-lui mes salutations. Merci. Merci pour vous. Merci, oh. Nous sommes très contents. Amen. Je ne volerai plus jamais. Je ne volerai plus jamais. C'est toi le bandit. T'es sûr de ce que tu dis là? Je demande, c'est toi qui le bandit de ce coin? Je ne volerai plus jamais. Aïe, je vous en prie. Salon, petit voleur. Dépêche, on va chercher une roue. Allez, apporte-la. Ah, pardon. C'est toi le bandit de ce coin? Je demande, c'est toi qui le bandit de ce coin? Frappez-le. Les almettes, les almettes. Espèce de sale voleur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pitié. Voleur. Pitié. 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 T'es mort. Pitié. Pitié. T'es foutu, mec. Mais où est-ce que tu vas avec ça? Viens. Pitié. 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 Non, ne fais pas ça, non. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, non, pitié, pitié, je ne volerai plus jamais. S'il vous plaît, ayez pitié de moi, je ne volerai plus jamais, je t'assure, je ne volerai plus jamais. Hé, hé, que diable se passe-t-il ici? Ah, merci, Chief. Ne partez Qu'as-tu pas. Qu'as-tu fait? Sauvez-moi. Sauvez-moi, Chief. Chef, Pitié. Ce garçon a volé du pain et des arachides. Chez Mama et Kenji. Et c'est pour cela que vous voulez le tuer. Ce n'est pas une raison suffisante, pour chef. Un simple pain et des arachides. Est-ce que vous réfléchissez? Ça ne vous a pas sauté à l'œil que ce garçon pouvait avoir faim? Qui s'en soucie?
Jim, je vous jure, je n'avais jamais volé avant depuis que je suis né. C'est ma première fois. C'est ma première fois. Je vais mourir. Ne vous préoccupez pas de lui. Je vais mourir. Ne le faites pas. Je ne veux pas mourir. Okay. Je ne veux pas mourir. D'accord. Voici de l'argent pour tous les dégâts qu'il vous a causés. Je vous remercie. Faire comprendre une chose. C'est à cause de vous, chef. Certains d'entre vous pourraient se retrouver dans des situations difficiles, mais ça ne ferait pas de vous des criminels. Vous savez tous à quel point ce pays-ci va mal aujourd'hui. Prochainement, il commet un délit. Dans un avenir proche, ne faites pas de vos bras des justiciers. Amenez-le plutôt à la police. On ne croit pas en la justice de la rue. Et vous, jeune homme, suivez-moi. Mais chef, c'est pas c'est juste vous, à cause de vous, hein. Enlevez ce truc de sa tête. Remercie ton Dieu, petit. C'est bon. Les gars, calmons-nous, c'est bon, calmons-nous. C'est à cause de lui que tu as survécu. Entre dans la voiture. Ok, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On gère comment? Allez, envoie le fric. C'est moi qui vais faire le partage. Ça, c'est pour vous trois, un, deux, trois. Ça, c'est pour vous. Allez, vous débrouillez. Comment ça? Je dois rembourser à la femme qui a été volée, hein? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive, mon gars? Ne nous prends pas ta ce équitablement. On va partager cet argent. Ce que je veux faire. Notre Donne à chacun sa part. Donne à chacun sa part. On va nous prendre comme des enfants, comme des bêtes. Allons-y, partager cet argent. Mais... Je refuse cela. Non, n'est pas question. Oui. Ne nous prends pas pour des enfants. Remerciez le ciel que je me sois arrêté juste à temps. Tu aurais perdu la vie. Tu vas prendre cet argent. Mange et prends bien soin de toi. Dieu vous bénisse, monsieur. Okay. Dieu vous bénisse. J'ai laissé ma carte. Passe-moi un coup de fil et je pourrais y avoir un travail pour toi. Je suis très reconnaissant, d'accord. Monsieur. Merci, monsieur. Sois un bon gars. Merci, monsieur. Ne touche jamais à ce qui ne t'appartient pas, même si tu es en train de mourir. Je ne prendrai plus. Ok. Dieu vous bénisse. C'est très bien. Arrête-toi là, c'est bon, il va descendre. Voilà, sois prudent. Et ne va plus traîner de nouveau dans ce coin. D'accord. Dieu vous bénisse, monsieur. Amen. Allons-y. Chérie, je pense que notre fille a un problème. Depuis un moment, elle ne mange pas. Avila, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui te tourmente autant? Rien, papa. Alors, pourquoi tu ne manges pas? C'est la nourriture. Non, papa. Ce n'est pas la nourriture. Je crois savoir quel est ton problème. Tu as besoin d'une nouvelle voiture. Ta mère et moi avons décidé d'y penser et nous avons décidé de te surprendre dès ton retour du Canada. C'est ça le problème, papa. Personne ne se soucie de mon ressenti ou encore de mes décisions. J'ai l'impression d'être un robot dans cette maison. Je suis fatiguée. Ce n'est pas vrai, Avila. Tu sais très bien que ta mère et moi nous témoignent, nous soucions de toi plus que tout. Maintenant, dis-moi quel est ton problème. La Pologne. Je veux aller en Pologne et non au Canada. Mais ton ticket pour le Canada a déjà été acheté. Il ne te reste plus que quelques jours. Dans ce cas, débrouillez-vous. Vous savez très bien comment arranger les choses. Alors faites-le. Tout ce que je sais, c'est que je veux aller en Pologne. Je ne veux pas aller au Canada. S'il te plaît, papa, arrange ça. Tout le temps, vous m'obligez à faire selon vos choix. Ça, c'est un nouveau coup d'état. Sérieusement. Et c'est en train de nous échapper. Je dois vraiment découvrir ce qui ne va pas. Papa! Papa, s'il te plaît, sauve-moi! Ne laisse pas ces gens m'emmener! S'il te plaît, papa! Jeff, pour votre information, si jamais j'apprends que la police est à notre trousse, je ne vais pas hésiter à tuer votre princesse. Mon bébé, où est-ce qu'on va avec elle? Mon bébé.
Regarde-moi ça. Waouh. C'est toi qui as fait ceci? C'est quelqu'un qui me l'a envoyé. S'il te plaît, envoie-le moi aussi. Attends d'abord. S'il te plaît. Je finis avec ce que j'ai à faire. T'aimes trop ça. Je te l'enverrai, d'accord? Mais j'utilise d'abord mon téléphone. Le repas est prêt, monsieur. Dois-je le servir? Quoi? La fille de Chifobi, Avila, a été kidnappée hier soir, et tout ceci dans leur propre maison. Seigneur, un autre enlèvement? Oui. Papa, attends. La même Avila que nous connaissons? La même Avila. La fille unique de Chifobi. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Papa, ça peut être les mêmes ravisseurs qui sont à l'origine, non? Peut-être, qui sait? Ça pourrait l'être. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? C'est la raison pour laquelle je vous ai toujours demandé, les filles, d'être très prudentes. Hein? Dorénavant, personne ne quittera plus cette maison sans ma permission. Nous ne savons pas ce que ce pays est en train de devenir. C'est compris? Oui, oui, papa. Oui, papa. C'est aussi valable pour toi. D'accord, monsieur. Hey, Seigneur. Incroyable. Ah, kidnapping. Monsieur, je sers toujours le repas. Oubliez cette nourriture. J'ai l'estomac complètement retourné. Inspecteur. Oui, madame. J'espère que vous avancez. Oui, on fait vraiment de notre mieux. Mais le problème qui se pose, c'est de... On fait de notre mieux pour les localiser. Ou au moins, tisser un contact avec eux. C'est ce sur quoi nous travaillons en ce moment. Je ne veux pas de longs discours. Je veux revoir mon enfant. Chérie, je t'en prie, calme-toi. Calme-toi. Et laisse la police faire son travail. Ils vont la retrouver. Chief, je voudrais savoir si vous avez... Parlez aux ravisseurs pour que je puisse rentrer en contact avec eux. Non, pas du tout. Je pense que ce sont eux qui appellent. Hey! Allô, assez de cette folie. Je ne me répéterai pas. D'accord. Mais avant tout, je voudrais d'abord entendre la voix de ma fille. Papa! Je vous en prie, je ne vous ai pas demandé de lui faire du mal. Je voulais juste entendre sa voix. Dites-moi simplement ce que vous voulez, s'il vous plaît. Je veux uniquement la liberté de ma fille. Maintenant, écoutez-moi. Vous devez apporter la somme de 20 millions de naira à l'adresse qui vous a été envoyée. Et vous avez 48 heures pour le faire. Et si cela ne se fait pas, vous serez coupable de ce qui arrivera à votre fille. Et rappelez-vous de ne pas impliquer la police. D'accord. Je vais suivre toutes vos instructions. Et... Je vais m'y mettre. Mais je vous en prie, ne faites pas de mal à ma fille. Elle est tout ce que j'ai. C'est compris. Que disent-ils? Qu'est-ce qu'ils ont dit? S'il te plaît. Il a demandé 20 millions de naira. Yeah! 20 millions de quoi? 20 millions de naira. Mon Dieu. Si jamais je tiens à revoir ma fille en vie. Mon enfant. Et il nous donne 48 heures pour le faire. Seigneur. 48 heures, vous dites? Oui. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour vous ramener votre fille. Concernant ces criminels, la police va se charger de les faire tomber. Faites-moi oui, confiance. Oui, oui, maintenant que nous avons leur numéro, nous allons commencer par là. Faites-moi confiance. Inspecteur, je compte sur vous. Nous ferons tout ce qui est à notre... S'il vous plaît, puis-je avoir votre téléphone pour prendre quelques informations? Hey! Oh, Seigneur! Oui. 20 millions de naira, Chief. Je déteste te voir ainsi, et tu le sais. Notre fille nous reviendra à la maison, saine et sauf. Et pour ce ravisseur, j'en finirai avec lui de manière brute. Pourquoi tu es si déterminé à faire appel à la police? C'est notre seul enfant dont on parle. C'est exactement mon point de vue. Je ne laisserai pas ce ravisseur s'en tirer aussi facilement. Souviens-toi,
que 20 millions de Naira, ce n'est pas du gâteau. Mais pour ma fille, je ferai appel à toutes les forces que je connais. Si quelque chose, je dis quelque chose, arrivait à mon enfant, je ne te pardonnerai jamais, même après la mort. Chérie, je pense que tu devrais aller te reposer. Notre fille nous reviendra très vite. Elle ira très bien. Je suis sûre qu'elle ne va pas bien. Si j'étais toi, je mangerais cette nourriture comme si c'était ma dernière sur Terre. Quel genre d'être humain prend quelqu'un en otage contre sa volonté? Hein? Tu t'exprimes bien. Tu sembles être éduqué. Alors pourquoi est-ce que tu n'essayes pas de gagner ta vie honnêtement? Ça a l'air si facile pour toi. Le bébé de papa, qui obtient tout ce qu'elle veut et à moindre coût, pour parler des pauvres, pour parler des débrouillards, pour parler des gens de la rue. Que diable sais-tu des pauvres? Vas-y, dis-moi, quoi? Une chose dont je suis sûre et certaine, c'est que mon père fera tout ce qui est à son pouvoir pour s'assurer que tu tombes. Ça, j'en suis convaincue. Tu t'écoutes parler. Nya nya nya. Nya nya nya. Nya 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 nya. Tu raisonnes bêtement. Pour le moment, tu te trouves ici, sous mon emprise. Entre mes mains, tu sais ce que ça signifie. Que je peux décider de te ôter la vie. Oui, d'un simple claquement de doigts. Alors si je tais-toi. Si j'étais toi, j'arrêterais de parler de mon père et je mangerais ma nourriture de merde. Regarde-toi, il te reste moins de 24 heures à vivre. Alors, si j'étais à ta place, je prierais Dieu pour que mon père paye la rançon afin que je puisse partir d'ici, au lieu de sortir des bêtises de ta bouche. Je vois que t'as vraiment pas envie de manger. D'accord, puis-je l'avoir? Donne-moi ça. Donne. Lâche ça. Regarde-toi. T'as plus d'énergie que je ne le pensais. Je te déteste. Moi, je t'aime. Je te déteste. Je t'aime. Je t'aime. Oh, je t'aime. Tu es un monstre. Je t'aime. T'es stupide. Je vois bien que t'as faim. Désolé, j'étais au téléphone tout à l'heure. Monsieur Jafar, vous n'avez pas du tout besoin de vous inquiéter. Hmm? Il n'y a pas de problème. Cela me revient. La fille du parrain à ton fils qui a été kidnappée, as-tu une idée si elle a été relâchée? Des nouvelles de ses ravisseurs? C'est très triste. Maintenant, nous espérons juste que la police fasse bien son travail. Hey, je suis vraiment désolé pour ça, hein? Vraiment désolé. Un bonsoir à ta famille. Merci à vous. Conduis prudemment. Et surtout, évite de te retrouver dans des situations embarrassantes qui pourraient te causer des problèmes, hein? C'est d'accord. Au revoir. Ah. Odogo, cher père,
Il n'y a que toi. Il n'y a que toi partout là, Odogo. Toi plus toi, c'est égal à Odogos. Qui peut imaginer qu'il y a quelques jours, ta boutique a été dévalisée? Aïe! Écoute, je vais te dire une chose. La vie, c'est la persévérance. Bam, Guidié. Guidié. Je t'avais dit que j'allais refaire surface. Les œuvres parlent, on confirme des yeux. Je suis sûr de moi. C'est confirmé une fois de plus, Odogo. Regarde mon chapeau, c'est pour toi que je l'ai enlevé, Odogo. C'est pour toi. Regarde comment ta boutique est redevenue. Hein? Tu vas me mettre à l'aise cet après-midi. Assez de réfléchir. Excès de réflexion. Tu vois ce que font les femmes en cuisine. Jarlu, Kishewo, Onkobi, Gbaoto Kurokui, Bangala, Assotet, Omurukuru, Shirenderena. Hein? C'est ce que tu vas mettre dans mon plat cet après-midi. Et tu vas y ajouter de la bière. Je dis bien deux bières bien, bien fraîches. Pour descendre ça. Odogo. Mais non, mon pote, si on y ajoute la tête de crocodile. Hein, et les intestins humains. Hein? Écoute, on dirait que tu n'es pas dans cette ville, mon pote. Hein? Ou t'as pas entendu? Entendu t'es quoi? T'es pas au courant que la fille du Tifobi a été enlevée? Et il demande une rançon de 20 millions de naira. Oh lo lo lo! Ce n'est pas possible, ça. Hey! Je n'étais pas bien entendu. Je n'étais pas bien suivi. Tidi, écoute. On doit faire très attention dans cette ville actuellement. Honnêtement. Mon ami parle maintenant de faire attention en ville. On t'a un peu secoué. Tu te plains vachement. C'est parce que chaque fois que tu viens ici, tu passes autant à bavarder. Écoute, si tu n'achètes rien aujourd'hui, oublie. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, je viendrai te servir. J'ai besoin d'une bouteille de bière et de deux plats de nourriture. Apporte de l'argent. Je ne vois aucune de leurs traces. Tu t'inquiètes beaucoup trop, femme. Hein? Il y a un message. Il nous demande de déposer l'argent et de partir. Juste comme ça? Sans avoir vu notre enfant? Allons-y, je t'en prie. Essaye de te calmer. Arrête de t'agiter. Elle doit être en route. Elle arrive. Je t'en prie. Arrête de faire tout ce que tu fais là. Elle arrive. Elle est en route. Elle viendra. Essaye de garder ton calme. Sois patiente. Elle arrive. Tu devrais peut-être essayer de te ressaisir, de te calmer. Et arrête de faire monter ta pression sanguine. Elle ira bien. D'accord? Vous n'avez pas à la blâmer, Tiff. Ce qu'elle est en train de faire, n'importe quelle femme aurait réagi pareil. S'il vous plaît, prenez-la avec légèreté. Ça fait 5 bonnes heures qu'on a payé la rançon. Elle n'est pas toujours libre. On ne le sait mon peut-être Dieu. Pas. Elle doit être en chemin, hein? Mon détends-toi. Dieu. Détends-toi, s'il te plaît. Tiff, tout le monde se détend, je... ok? Ok. La vérité est que je suis également anxieux. Alors détends-toi. Relax, elle sera de retour.
Elle doit être en route. S'il te plaît, calme-toi. J'ai reçu un message. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Avila est de retour. Hey, elle est là-bas, dehors. Avila! Avila! Bébé maman est là! Avila! Avila! Mais non! Avila. Non, non! Ça ne peut pas être possible! Avila! Avila! Maman est là! Avila. Ça ne peut pas être vrai! Viens, 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 viens! Calme-toi, ma sœur. Calme-toi. Tu as tué mon enfant. Tu as tué mon seul espoir de femme. Tu as tué mon bébé. Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je vis? Qu'est-ce que je vais devenir? Je vis pour toi. Mon bébé. Aïe. Je vous aurai. Et vous pouvez me croire sur parole. Je t'ai prévenu. Vous les riches, vous n'écoutez jamais. Je vous aurai, Donda. Sale prêtre, vous pouvez me croire. Chérie, tu as fait une très belle sortie, tu ne trouves pas? Fallait voir comment les gens te regardaient. Je crois que je suis sur ce... Tu me flattes. Votre verre d'eau. Merci beaucoup. Autre chose, madame? Non, merci beaucoup. Tu ne bois pas ton nom? Ou alors tu n'as pas soif? Détends-toi, détends-toi, détends-toi. Tu as oublié mon jus? Non. Hein? Je vais le prendre quand je vais entrer. C'est d'accord. Cela me revient. Est-ce que tu sais que Gift est en train de me demander une nouvelle voiture? Je suis en train de me demander ce qui est arrivé à celle que je lui avais d'abord achetée il y a quelques mois. Tu as dit que Gift réclame une nouvelle voiture? Oui. C'est d'accord. Peut-être qu'elle est fatiguée de celle que tu lui as achetée il y a quelques mois. Tu sais, les enfants de cette génération se lassent facilement des choses. Tu vois de quoi je parle? Se lasser? Oui. Pour une voiture que j'ai achetée il y a quelques mois? Hein? Voilà le problème que j'ai avec toi. Ah. Tu cèdes à tous les caprices de ces enfants, quel que soit ce qu'elles font. Parfois, je me pose des questions. As-tu eu des enfants dans ta vie antérieure? Oui, il n'y a qu'à voir comment tu les soutiens. Chérie, c'est ce problème que j'ai avec toi. Cette manière que tu as de me parler. Honnêtement, je n'aime pas. Je dois être sincère avec toi. N'es-tu pas un ministre? Tu es un grand homme. Tu peux lui offrir une nouvelle voiture. En fait, en quoi est-ce un délit pour ta femme de s'occuper des besoins de ses enfants? Hein? De quoi parles-tu, chérie? C'est tout ce que tu trouves à dire. Pour être sincère, je ne suis pas contente. Je ne suis vraiment pas contente. Tu sais quoi? Je te laisse. Ma compagnie ne t'enchante sûrement pas. C'est arrivé à ce point? Oui, oui, oui. Ah, ça l'est. Rappelle-toi, je suis en train de préparer un voyage pour toi. Vraiment? Un voyage pour Dubaï. Et si j'achète cette voiture? Toi là. Homme futé. Je parlerai à Gift, d'accord? Tu as intérêt, tu as intérêt. D'accord, je t'attends à l'intérieur. Tu as gagné. Ces enfants. Ces enfants. Ils ne peuvent pas me tuer. Dieu merci que j'ai de l'argent. Si elle insiste, eh bien, je lui achète une autre voiture. Chérie? Chérie?
Tu dois te dépêcher, nous allons être en retard. Chérie, donne-moi juste quelques minutes, je me dépêche. Quelques minutes? C'est ce que tu as dit il y a une heure passée déjà. Hein? Bonjour, chers téléspectateurs, je suis Chris Mouanfo, journaliste à Apple TV. Inspecteur, concernant le meurtre de la fille de Tifobi. Mais quoi, en tant qu'investigateur principal de cette affaire, que pouvez-vous nous dire ou qu'avez-vous à dire sur l'évolution de l'enquête? Écoutez, je m'appelle Ogo, l'inspecteur en charge de cette enquête. Laissez-moi vous dire que la police est déjà sur cette affaire. Et nous avons découvert que Mademoiselle Avila a été tuée, ce qui fait de ça un meurtre au premier degré. Je n'en dirai pas plus parce qu'une enquête a déjà été... Mais je voudrais assurer la population que tant que la police n'a pas mis la main sur ces criminels qui ont posé cet acte odieux, la police ne sera pas de repos. Merci. C'est compris, le monde entier nous écoute. Dans nos prochaines éditions, nous vous tiendrons informés de la suite de l'enquête. Merci. Mon Dieu. Qui aurait pu faire ça à un enfant innocent? Quand je pense qu'ils l'ont fait à l'unique fille qui rendait Tifobi humble, fière d'être père. Ces gens ont traversé la ligne maintenant. Chérie. C'est vraiment une mauvaise nouvelle. Mmh. Oui. Ce pays me fait peur. En fait, laisse-moi l'appeler. Ah, Obi. Elle était mon monde. Toute ma vie. Elle était la jambe sous nos pieds. Et la pincée de joie dans nos cœurs. Elle a fait de cette maison un foyer. Elle était calme et attentionnée. Malgré la tétudesse, comme son père. Oh, Gay, je suis finie. Mon Dieu, je suis finie, Ogé. Okay. Ne parle plus comme ça. Ne le dis plus. Tu n'es pas finie. Ton monde encore moins. Exactement. Mmh. Je n'ai plus absolument aucune raison de vivre. Ah, ne dis pas ça. Tu nous as nous. Justement. Et tu as également ton mari, d'accord? Oui. J'étais incapable de la sauver. J'étais incapable de la sauver. Je peux l'entendre crier. Maman, sauve-moi. Et je n'ai rien pu faire pour sauver mon enfant. J'ai soif en tant que maman. Je suis une mauvaise maman. Ne dis pas ça. Je n'ai pas pu sauver mon enfant. Je n'ai plus de raison de vivre. Mon Dieu, le seul enfant que tu m'as donné, elle est partie. Ça suffit. Est-ce que je fais encore plus? Non. S'il te plaît, ma soeur, calme-toi. Est-ce que je fais? Calme-toi. Je suis finie. Mon seul enfant. Je n'ai plus un enfant qui soit de moi. C'est ça bon. Chérie, ça fait des jours que tu es comme ça. Pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas un bon bain et aussi trouver de quoi manger? Reste loin de moi. Tout c'est de ta faute. Je la chérissais tout comme toi. Elle était ma meilleure amie. Chérie. Oui, mon amour. Est-ce que tu gardes un œil sur Avila ces derniers temps? Oui. Je l'ai fait, mais m'a l'air étrange. Tu as raison. Oui. Comme si quelque chose... Ma princesse.
Oui, papa. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Pourquoi cet air sur ton visage? Papa, je n'arrive pas à dormir. Je m'ennuie. Et c'est tout? Oui, papa. D'accord. Tu passeras la nuit aujourd'hui dans notre chambre avec ta mère et moi. Youpi! Je te connais. Je vais m'asseoir là. Ne me vole pas mon mari, comme tu ne vois pas. Je vais te l'arracher. Tu es une grande fille. C'est la mon fille père. De papa. Mon papounet. La fille de son père. Une grosse surprise. Je ferme les yeux. Ferme les yeux, bébé. Encore un peu. Oui. Chérie, tu peux lui enlever maintenant. Une belle surprise. Surprise. Tadam. Voilà, une voiture toute neuve. Papa! Oui. Maman! Oh mon Dieu! Je suis si excitée. Waouh! Mon nouveau. Je suis très content pour toi. Je savais que ça allait te plaire. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma puce. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, maman. Je t'aime, mon enfant. Allez, je peux commencer maintenant. Tu sais très bien que quand j'étais jeune, j'étais meilleure à ce jeu. Et je vais te le prouver. Je vais te le prouver tout à l'heure. Papa, commence. Je ne vais pas commencer avant toi. D'accord. Je te surveille. Je garde un œil sur toi. Je vais te montrer de quoi est-ce que je suis capable. Je t'ai à l'œil. Pas de tricherie. Je vais concentrer toute mon attention sur toi. Mais c'est toi qui as demandé que je commence. Ok. Et voilà. Il est temps que je te donne une leçon. Zono. Aujourd'hui, il n'y a pas de tricherie. Je vais te montrer de quoi est-ce que je suis capable. D'accord. Tu ne sais même pas ce que tu racontes. Hein? C'est juste parce que je Eddie? Te laisse. Tu n'as aucune chance. Ok. Ça, c'est le feu de paille. Ok. Et c'est avec cette façon de jouer que tu penses pouvoir me battre. Oh, Winky, oui, oui. Tu n'as aucune chance de me battre comme ça, petite fille. Je pensais pourtant que tu t'étais améliorée depuis ce temps. Allez. Très bientôt, je vais te battre. Très bien. Et à part ça, il y a quoi en réserve? Nguano, maintenant tu es bloqué. Je vais voir comment tu vas faire. Papa, tu ne sais même pas comment attends on joue à ce jeu. Attends de voir quand j'aurai gagné. Ma maison. Je les connais très bien. Ma maison. Allez, joue. Vas-y, joue. Ok. Elle était censée être la prochaine superstar. Mais plus maintenant. Elle me manque énormément. Le fait que je n'ai pas pu la sauver me brise le cœur. Mais nous devons être forts. Assez fort pour venger sa mort. Je suis morte. Le jour qu'elle nous a quittés. À moins que je ne retrouve mon état d'esprit, je ne mettrai plus mes pieds dans ta chambre. L'être humain est méchant. Oh. Vraiment, ce monde. Odogu Mongar. Odogu Mongar. Ah ah. Tu es dans cet état depuis le matin. Mais bon, voici des fruits que j'ai achetés pour toi. Excuse-moi, mais j'en veux pas de tes fruits. J'en veux pas. Attends. Pourquoi les gens sont si mauvais? Hein? Pourquoi mettre fin à ces jours après avoir pris l'argent? Pourquoi? Écoute, écoute, écoute très bien mon gars. Tu sembles plus affecté que les concernés.
Tu devrais essayer de... Ah. Je comprends pas. Il y a quelque chose que je dois te dire. J'étais sur le point de faire d'elle mon épouse. Ah. C'est la mi-temps. Prends d'abord ta pause. Ah. Désolé, chef. Désolé. Il n'y a rien que chef Obi ne verrait entre les mains de ces criminels. Ah. Ah. Attends. Tu me traites de criminel? Tu me traites de criminel, c'est ça? Écoute. Écoute. Le tonnerre qui va te tomber dessus, qui va frapper cette bouche, va t'envoyer direct à la tombe. Je traverse ça. Attends. Dis-moi comment vais-je faire maintenant? Par où vais-je commencer? J'étais sur le point de l'épouser. Joseph le rêveur, réveille-toi de ce rêve. Comment je vais faire maintenant? Elle est morte. Peut-être que tu devras aller la retrouver de l'autre côté. Tu veux te marier? Actuellement, je suis perdu. C'est pas par où commencer. Les gens sont méchants. Hein? J'ai trop mal. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de me tuer. Je pensais que tu gênais. Et que tu n'avais pas le goût de la nourriture. Tu comprends pas ce que je veux dire. Écoutez les gars, cette fille aura du mal à avoir mon cœur. Ah, alors, tu veux nous faire croire que t'as pas couché avec cette fille? Si jamais j'aimais cette fille, je vous l'aurais dit, si c'est de ça que vous pensez. Ah, mais tu sais bien que t'as pas le droit de coucher avec n'importe quelle traînée. Parce que si tu le fais, tu connais les conséquences. Tu sais que nous sommes des mauvais garçons. Nous savons tous que tu es un mauvais garçon. Tu sais que nous sommes des mauvais garçons. Hein? C'est de ça que je vous parle toujours. Écoute, mec. Si tu prends cette meuf, si tu la prends, t'auras affaire à moi. Dans le cas où je me trouve, si je bois de cette eau, si je couche avec cette fille, je vous le dirai tout de même. Je peux pas quand même faire ça. Qu'est-ce que tu as? Pour vouloir faire comme ce monsieur. Si tu couches avec cette fille. T'es sérieux? Si tu couches avec cette fille. T'es vraiment beau. Je vais devoir partir. Je dois faire une course. Oh, merci. À plus tard. Merci. Boss, vous avez l'air ailleurs. On dirait que ce fait un mauvais goût. Vous l'avez goûté? Mais boss, vous allez où? Vous allez où? Vous allez où? Écoutez, les gars, j'ai... quelque chose à faire. Mais boss, on vient juste d'arriver. Ouais. Comment veux-tu nous laisser? Amusez-vous bien, tout est à mon compte. Boss, attends. Je vous ai demandé de venir moi gérer cette affaire, mais vous n'avez pas voulu. Je ne t'ai pas connu comme ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Calme-toi. Buvons. Écoute, il y a une meilleure manière de voler. Mais je vois en toi un grand potentiel. Mais... Surveille ton langage. Fais-le. Comment peux-tu me parler de la sorte? Comment? Écoute, je ne dispose d'aucune patience. Je pourrais t'afficher là maintenant et dire à tout le monde ce que t'as fait. Non. Je le fais. Non, s'il te plaît. Désolé. Où se trouve l'argent? Sors-le.
Excusez-moi, madame, excusez-moi. Est-ce que je peux voir votre sac? Je peux voir votre sac? Mon sac? Oui. Je vous demande, que voulez-vous faire avec mon sac? Je voulais juste regarder votre sac. Mais que comptez-vous faire avec mon sac? Je ne veux pas la honte. Votre sac, madame. Mais calmez-vous, pourquoi vous voulez le fouiller? Pourquoi en avez-vous besoin? Relax. Ok, voilà. Hein? Mon Dieu. Je... Vous avez payé? Tenez. Je ne sais pas comment ça se passe. Oui, je vous allez vous expliquer. Je ne sais pas. C'est tu bégayes tout d'un coup. Je... Appelle la police. S'il vous plaît. S'il vous plaît, quoi? N'appelez pas la police. Appelle d'abord la police. Je suis désolée. Je suis désolée. Mais toi, genou, tu me dis que t'es désolée? Tu as demandé ma permission avant de voler? Je... Au lieu de... Désolée, pardon. Après avoir volé, tu fais... Je... Désolée. Donc maintenant, tu bégayes? Désolée. Hein? Pardon. Quoi? Pardon, quoi? Désolée. Pourquoi tu as ramassé tout ça? Pourquoi tu as pris toutes ces choses? Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi était la genou? Elle a volé dans cette boutique. Et puis quoi? Ces articles. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est elle qui l'a pris? Elle n'a pas payé. On a trouvé ça dans son sac. Et combien coûte tout ceci? Combien? 3500. Juste pour 3500. Et c'est pour cela que vous la mettez à genoux sous le soleil, n'est-ce pas? Lève-toi. Et la prochaine fois, ne reviens pas ici voler. Attendez que je compte d'abord. Compte bien. Et voilà le bonus. Mais vérifie bien que c'est complet. Et la prochaine fois, voler la prochaine fois. Prochainement, utilise ta tête et sache que Noël, c'est pas tous les jours. On t'aura la prochaine fois. T'as eu ta chance. Tu penses que chaque jour, c'est Noël? Qui es-tu? Et pourquoi m'as-tu sauvé la vie? Mon identité n'est pas importante pour le moment. Et si t'avoir sauvé la vie ne te plaît pas, tu peux t'en aller. C'est toi, le gars de la dernière fois. Je... Écoute, je suis navrée d'avoir gaffé une fois de plus. Je suis désolée, je... Hey. Tu bavardes beaucoup. On devrait te couper la langue. Je suis désolée. Ne bouge pas. Reste ici. J'arrive tout de suite. Ne déconne pas, mec. Non, non. L'amour nous a été proscrit. Même pas avec un ange descendu tout droit du ciel.
Mais ça fait des années que je n'ai pas eu ce genre de sentiment. Et si je disparaissais demain? Qui héritera de tous ces biens et ces millions que j'ai hackés? Qui viendra désherber ma tombe? Ça me tord le cou. Je suis définitivement pris entre le feu et l'eau. Je suis désolé de la manière dont j'étais traité à la cuisine. Je pense que mon geste a été un peu déplacé. Tu peux manger. Je suis également désolée d'être entrée dans ta cuisine sans te prévenir. J'étais avide, c'est tout. Je suis navrée. C'est pas grave. C'est pas grave, allez, mange ta nourriture, ça va se refroidir. Allez, dépêche-toi. C'est moi qui l'ai fait. Je sais pas si c'est à bon goût. C'est pour toi. Tu peux le manger. Et qu'est-ce qu'il en est de ta fourchette? Tu ne me rejoins pas? Je mange peu, il y a quelques exceptions. Ah, ok. Dans ce cas, tu vas juste me regarder manger. Ok. Tu manges comme une fille complexée. Je le suis. J'en sais rien. Pas du tout. J'étais vraiment avide, c'est tout. Tu peux te régaler maintenant. Ouais, je t'apporte quelque chose à boire. Ok, merci. Du jus ou de l'eau? Le jus, c'est mieux. Excellent choix. J'arrive dès ce pas. Ok. Alors, ça te dérange aussi, vraiment? Non. C'est juste pour toi. Vraiment très bon. Qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir, Tiff. Que me vaut l'honneur de votre présence? Tiff, vu vos appels répétés, j'ai décidé de venir vous rendre compte de la situation. En fait, j'ai d'excellentes nouvelles. Où se trouve-t-il? Je vais le torturer avec mes propres mains, au point où il aura envie de mourir et la mort ne lui sera pas servie. Inspecteur, où est-il? Dites-le-moi maintenant. En fait, Tiff, nous ne l'avons pas sous la main présentement. Mais nous faisons de notre mieux pour essayer de... Quelle contradiction! De quoi est-ce que vous parlez, inspecteur? Hein? Et qu'est-ce que tout ceci à voir avec la bonne nouvelle? Écoutez, je suis en train de perdre patience. Chief, écoutez, notre équipe travaille vraiment d'arrache-pied. Et au moment où je vous parle, nous sommes sur la bonne voie. Nous voulons nous assurer de le coincer, main dans le sac. Et je vous donne ma parole que nous le ferons le plus tôt possible. Tout ce que je vous demande, c'est de nous accorder un peu de temps. Le temps, c'est ce dont je ne dispose pas. Inspecteur, lisez sur mes lèvres, il n'y a absolument plus de temps. Je ne dispose plus de temps. Comme je l'ai si bien dit, j'ai comme l'impression que je perds du temps avec vous. D'accord. On va accélérer l'affaire, Chief.
Excuse-moi, tout va bien? Tu es dans cet état depuis le matin. Je vais bien. Mais tu sais que tu peux toujours me parler, n'est-ce pas? Peu importe la situation. J'ai horreur des personnes qui ne se mêlent pas de leurs affaires. Prépare-toi. Cette nuit, tu partiras d'ici. Je pense que t'avoir à mes côtés était une erreur. Mais je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi voudrais-tu me déloger? Si ma mémoire est bonne, ce n'est pas chez toi ici. Ou alors je me trompe. Dans ce cas, bouge-moi. Je veux travailler pour toi. Écoute, je n'ai nulle part où aller. S'il te plaît, je suis seule dans ce monde. S'il te plaît, pardon. Je n'ai pas besoin d'une femme à mes côtés. Pas du tout. S'il te plaît. Et reste ici. Je le sais. Tu m'étouffes. Pour qui est-ce que tu travailles? Réponds. Personne. Personne. Je le jure, c'est la tombe de ma mère. Menteuse. Dis-moi pour qui tu travailles, sinon je vais te torturer, te molester et te tuer à cet endroit. Alors parle. S'il te plaît. Crache un morceau. S'il te plaît. Laisse-moi partir. Essaie-tu de me séduire? Non, pas du tout. Tu penses que je n'ai pas vu? Non, non. Tu penses que je n'ai pas vu? Non, non, non. Crois-tu que je suis stupide? Non, non. Pour qui est-ce que tu travailles? Ok, laisse-moi. Je vais t'expliquer. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Dis-moi, est-ce un crime de t'aimer en dépit de ce que tu es? C'est ça? Bien. Tu disposes des caméras dans toute la maison. As-tu perçu des mouvements déplacés venant de moi? As-tu?
Maintenant, tu vas m'écouter. Je ne te crois pas. Et si par mégarde, je venais à découvrir que tu essayes de te jouer de moi, que tu joues avec moi, tu sais que ça ne sera pas drôle, n'est-ce pas? Si jamais il a difficulté, comment je ferai pour lui apporter mon aide? Pour commencer, je ne connais aucun membre de sa famille. Dieu, s'il te plaît, protège-le pour moi. S'il te plaît. Où étais-tu passé? Où étais-tu passé? Qu'est-il arrivé à ton pied? Hein? Attends. Non, ne touche pas. Reste loin de moi. Tu peux d'abord mettre ton ego de côté et me laisser je t'aider. Je te dis que je n'ai pas besoin de ton aide. Arrête! Je suis désolée. Désolée. Vraiment, vraiment désolée. Arrête! Tout ça, c'est ta faute. Tout ça, c'est de ma faute? Tu peux arrêter d'être buté et me laisser soigner ta plaie? Oh. Heureusement que j'ai quelques notions de médecine. C'est bon maintenant. T'as rien fait d'Estra. J'aurais pu le faire tout seul. Es-tu toujours ici? Aucune reconnaissance? Écoute. Doucement. Je ne te dois aucune gratitude. D'accord. Doucement, ne te fais pas du mal. Bonjour, mon rayon de soleil. Je t'ai préparé un petit déjeuner appétissant. Bonjour. Oui, viens t'asseoir. Voilà. Oh. Ton pied? Qu'a-t-il fait? Rien, c'est juste que... tu arrives à marcher normalement. Comment est-ce possible? Je veux dire... Tu sais ça, ne te regarde absolument pas. D'accord? Je me trompe. Ouais, ce ne sont pas mes affaires. Je l'ai formellement compris. Merci. Ça vaut ton repas. Merci. Ah! Tu vas bien? Mmh.
Merci. Eh bien, je ne suis pas ingrate, comme certaines personnes. Merci. Savoure ton repas. Réveille-toi, mec. Jolie voix. Merci. Tu as besoin de mon aide? Pas vraiment. Juste que je te trouve tellement à l'aise chez moi. Tu te sens tellement chez toi que je me demande si l'on a aménagé ensemble le même jour. Et je me pose des questions. Est-ce que t'as pas peur de ce monstre? Eh bien, ce monstre en question ne m'a pas encore fait du mal. Et ne le fera peut-être jamais. Et pour ce qu'il en est, ce même monstre m'a donné un abri et à manger. Est-ce que j'ai confiance en lui? Oh oui. À 100%. Hein? Dis-moi, qui t'a qualifié de tel? Hein? C'est bien à savoir. Mais laisse-moi te dire qu'on ne doit accorder sa confiance qu'à un être humain. D'accord? Ok. Ok, je dois partir. Je vais traîner avec mes amis. Ok, d'accord. Fais attention à toi et sois prudent. Je le ferai. Prends soin de toi. Je te verrai plus tard. Allô, docteur. Bonsoir. C'est ma femme. Nous avons besoin de vous. Je vous en prie, venez à la maison immédiatement. Elle a perdu connaissance. Merci. Qu'est-ce qui ne va pas exactement chez ma femme? Elle s'est réveillée ce matin en très bon état. Elle a eu une crise émotionnelle. Et sa pression artérielle s'est tellement élevée. Mais je ferai tout pour la ramener à la normale. Ah! Ah!
est-ce que je suis? Pourquoi l'as-tu fait? Qui es-tu? Et où est-ce que je suis? Pourquoi est-ce que tu m'as laissé mourir, maman? Avila! Tu aurais pu me sauver des mains de ces criminels, mais non. Tu as choisi de m'ignorer comme d'habitude. Je ne t'ai jamais ignoré, mon enfant. Je faisais de mon mieux pour te sauver. Mais j'ai pas pu. Je suis vraiment désolée, mon bébé. J'ai manqué à mon rôle de mère. Je suis désolée. Arrête de me mentir, maman. Papa et toi m'avaient laissé mourir de sang-froid. J'ai attendu. J'ai gardé espoir que vous viendriez, mais vous n'êtes jamais venu. Mon bébé. Je suis une mauvaise mère. Mon enfant, je suis désolée. Elle ira bien. Sa pression artérielle ne te redescendre. Il fait très froid ici. Je suis toute seule ici. Viens, maman, viens. Il n'y a personne avec qui parler. Avila, je me sens également seule. La maison est devenue froide depuis ton départ. Dans ce cas, viens, maman. Viens, viens et reste avec moi. J'ai besoin de compagnie, maman. Quoi? Maman! Tu veux encore me laisser toute seule une fois de plus? S'il te plaît, maman, s'il te plaît, je suis toute seule. Mon enfant! J'ai très froid. S'il te plaît, maman, ne me laisse pas pour la seconde fois, s'il te plaît. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, je suis toute seule. J'ai froid. Avila, mon enfant. Docteur, vous êtes sûr qu'elle ira bien? Elle ira bien. Elle ira bien. Sa pression revient. Avila! Avila! Lolo, calmez-vous. Vous avez besoin de repos, ok? Où suis-je? Calmez-vous. Calmez-vous simplement. Où suis-je? Calmez-vous. Calmez-vous. Lolo, calme-toi. Tu as failli y passer. Vous avez vu mon enfant? Calme-toi. Soyez calme, s'il vous plaît. Soyez calme. C'est bon. Avila! Chérie, ne t'inquiète pas. Je suis là. Mon enfant! Il ne va rien t'arriver. Je suis là. Oh, mon enfant! Lolo, s'il vous plaît, calmez-vous. Calme-toi, s'il te plaît, tu ne te sens pas bien. C'est bon. Mon enfant. C'est bon. Mon enfant. Oh, mon enfant. Je veux que mon enfant. Elle y sera bientôt, d'accord? Je veux que mon enfant. Calme-toi. Sois forte. Oh, mon enfant. Ça va aller. C'est bon. Ouais. Ah,
Je suis à la maison. D'accord. Bienvenue. D'accord, ok, bye. Oh. Comment tu vas? Bien. J'utilise ça pour toi. Tu m'as acheté des vêtements? Ouais. Oh, merci beaucoup, merci. Au moins maintenant tu pourras changer de vêtements et laisser les miens. Je n'apprécie pas les gens qui portent mes habits. Tu as vraiment du bon goût. Ta petite amie a de la chance de t'avoir. Je n'ai pas de petite amie. Tant mieux. T'as dit quelque chose? Non, je disais juste merci pour les vêtements. J'y ai pensé. C'est quoi? Tu vas bien? Mon estomac. Ton estomac? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça me fait mal. Mais pourquoi? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a quelque chose que je puisse faire. Apporte-moi. Juste les comprimés. Oui. Mais des comprimés, pourquoi? Désolé, qu'est-ce que tu as? Je pense que c'est une lésion. T'as l'ulcère? Oui. Bon, d'accord. S'il te plaît, vas-y, 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 vas-y. D'accord, j'y vais. Vas-y. Salut. Salut. Je t'apporte de quoi manger pour faire passer les capsules. Ah, merci. Les gélules ont eu de l'effet. Je ressens plus de douleur. Oh, vraiment? Ok. Mais, vas-tu toujours manger ton repas? Oui, bien sûr. Ok. Merci. Je serai dans la salle de séjour si t'as besoin de moi. Ok. De rien. D'accord. Merci. De rien. C'est délicieux. Souviens-toi, tu serres les poings et tu ne laisses pas te recouvrir le visage. Sinon, tu auras des bleus partout. Je sais. Pour frapper, tu fais comme ça, d'accord? D'accord, je me lance. Un, deux. Viens. Tu y vas vite. Ah, mais si. Mais pas du tout. Tu y vas de force. Ok, c'est vraiment dur. Sois prêt. Okay. Ah. Allez, attaque. Ok. Mon estomac. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Je t'ai fait mal. Désolé. Vraiment désolé. Désolé, essaye de te lever. Dans mon Allez, debout.
Doucement, tu y es. Je t'ai gagné. Je t'ai gagné, je l'ai fait. Tu l'as gagné. Oui, je l'ai fait. T'as triché. Je t'ai gagné. Je l'ai fait. Triché. J'ai gagné. J'ai gagné. Je l'ai fait. Et tu as mangé la poussière. Tricheuse. T'es une tricheuse. J'ai gagné. T'as triché. Tricheuse. J'ai gagné. Tricheuse. C'est pour ça que j'ai gagné. T'as simulé ton malaise. J'ai dit, j'ai gagné. Nelly, tout va bien. Nelly. Je dois... Consacre-toi. Nelly, je suis désolé. Va-t'en. S'il te plaît. Non. Écoute, je t'aime, d'accord? Et je sais que ces sentiments sont réciproques. Tu sais, je ne sais pas comment aimer, mais là, je suis en train de tomber amoureux de toi. S'il te plaît, laisse-moi t'aimer. Mais je ne te mérite pas. Ne dis pas ça. Je suis celui qui ne le mérite pas. S'il te plaît, ouvre la porte. S'il te plaît. Nelly. Ah. Je t'ai attrapé. Je t'aime tellement que c'est plus fort que moi. Ne te retiens pas. Aime-moi. Et je t'aimerai en retour. D'accord. Embrasse-moi, bébé. Odogo. Pourquoi as-tu qualifié le docteur qui venait de partir de criminel? As-tu eu le temps d'observer ce mec? Tu l'as fait? T'as pas remarqué qu'il est couvert de tatouages sur tout le corps? Il porte même des boucles. Mon gars, tous les habitants de cette ville savent que ce garçon revient de l'étranger. Et son père a insisté pour qu'il rentre au Nigeria pour qu'il s'occupe de leur hôpital. Tous ces gens friqués là... Parfois, j'ai du mal à les comprendre. C'est ainsi que se comportent des personnes aisées. Ils ne sont pas comme nous. Attends, mais toi, es-tu en train de me dire que si tu vas dans son hôpital et qu'il se propose de te faire une injection, tu vas accepter? Pourquoi ne le ferais-je pas? C'est un médecin. Il a son attestation. Alors, je le ferai. Eh bien, on dirait que t'as pas entendu parler du docteur Elisa. Mais... Mon gars, bon, laisse-moi te surprendre. Ce médecin est celui qui t'a examiné le jour que tu es tombé dans les pommes. Ce jour où tu t'es fait dévaliser, c'est lui qui t'a examiné. T'as dit quoi?
J'ai dit. Tu vois donc, je t'ai surpris. Ah, ça t'étonne. Docteur Elisa a traité mon bel ami. Souviens-toi de ce jour où dans ce bar t'as dépouillé ce garçon. Tu t'en souviens? Depuis ce jour, tu ne cesses de me combler de joie. Chaque jour, je vis pour t'aimer. Je ne vis pas essentiellement pour toi, mais aussi pour le bébé. Notre bébé que tu portes. Alors je me tiens devant toi aujourd'hui pour te demander à toi, Benita Isiako, veux-tu me prendre pour époux? S'il te plaît, dis oui. 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 Je vais t'épouser. Tu me rends si heureux. Toi également. Je t'aime tellement. Je t'aime plus que la vie elle-même. Patron, ça ne sert à rien de cacher les choses. Je dois te dire la vérité et comment je la ressens. Patron, tu connais les règles de ce jeu. Patron, t'es devenu une autre personne, tu sais très bien comment les choses fonctionnent. J'arrive pas à croire que c'est toi qui as pu faire ce genre de choses. Pourquoi t'as invité une fille chez toi? Pourquoi est-ce que t'as invité une fille chez toi? Patron, je comprends pas. J'arrive pas à croire que c'est toi qui as pu faire ce genre de choses. Ne parle pas de la sorte. Fais attention. Surveille ton langage. Compris? Bosme n'a pas tort de parler ainsi. Il a vraiment raison. C'est la simple et la pure des vérités. Je t'assure, boss. Il n'a pas tort. Boss. On dirait que tu as oublié que le mariage nous est proscrit. Et tu as encore oublié que l'oracle nous a dit pas de mariage pour nous, hein, boss? J'ai notre boss, sincèrement, n'oublie pas tout cela. Écoutez, les gars, jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand allons-nous continuer à fonctionner de cette manière? Dites-moi jusqu'à quand? On connaît tous depuis combien de temps on est dans cette affaire. Et maintenant, si quelque chose venait à vous arriver à cause de ce travail, qui prendra soin de votre héritage?
qui continuera où l'on s'est arrêté. En quelque sorte, si l'un d'entre nous mourait, qui viendra se lamenter sur nos tombes? Répondez-moi. Boss, ne te fâche pas. J'ai une question à te poser. Boss, tu as gaffé. Vas-y, je t'écoute. Boss, tu as embrassé cette fille, n'est-ce pas? Tu as également couché avec elle. Voilà qui ne dit rien. Il reste tranquille, ça veut dire qu'il a couché avec elle. Boss, tu as gaffé. Tu as jeté tous nos efforts dans l'eau. D'un clin d'œil, voilà que tous nos efforts sont ruinés. Juste à cause d'une femme. Boss, pourquoi? Pourquoi, boss? Écoutez, les gars. Ce n'est pas une histoire de femme. Ou pas, d'accord? Je suis amoureux de cette fille. C'est la vérité. Je ne veux rien vous cacher. Amoureuse? Ouais, je suis amoureux de cette fille. Je ne sais pas comment s'y arriver, mais la vérité est que je l'aime. Et je vous suggère de faire pareil. Trouvez une femme de votre choix. Tombez-en amoureux, car ce sentiment est incroyable. Et tu m'en es témoin, les gars. Écoutez. Vous tous savez que je suis le fils unique à mes parents, n'est-ce pas? Vous voyez cette fille? Je prévois la faire quitter du pays. Ce ne sont pas des conneries. Je vais l'amener à Dubaï. Pour tout reprendre à zéro. D'accord? Je vous invite à faire de même. Vous savez, je me fiche de ce que vous pouvez penser. De ce que vous pouvez ressentir. Et c'est tout. À votre santé. C'est ce qui s'était passé dans mon lycée. Il y avait cet enseignant au nom de Maître Thierry. Très sévère. Et les mathématiques étaient ma bête noire à l'école. Jamais je ne les révisais. Imagine-toi que l'anglais était ma matière préférée. C'est pour ça que j'étudie l'anglais à l'école. Une fois que je vois les maths et les pères des maths. Oh non, je déteste ces matières. J'ai pas vu de fille qui aimait les mathématiques. C'est en partie parce que les mathématiques sont difficiles. Mais qu'est-ce que vous trouvez difficile? Oui, ça l'est. Ok, toi alors, tu aimais l'addition? Ouais, et très souvent mes camarades de classe venaient à moi pour que je les aide à faire leur exercice de mathématiques. Tu dois vraiment être un génie. C'est l'application du procédé. Et le procédé en lui-même est simple. S'il n'y a pas d'application, tu vas perdre tes moyens, surtout quand tu n'aimes pas. Tu vois ce que je veux dire? Aussi fort que j'ai pu m'en donner. Mais ce n'est jamais entré. Et j'en ai déduit que tu sois un génie. C'est pour ça que tu t'en sortais aussi facilement. C'est la raison pour laquelle tu n'écoutais pas. Simplement parce que tu bavardes beaucoup. Je vais mettre tes conseils en... La septième fois que ton téléphone sonne. Peux-tu répondre à tes appels? Ce n'est pas important. Fais-moi confiance. Vraiment? Un instant. Excuse-moi. Quoi? Écoute-moi. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus. Je l'aime et il m'aime également. Eh bien, inspecteur Catherine, où sont les documents? J'en ai rien à faire. Vous avez 3 jours pour le faire et sortir la tête de là. Je porte son enfant.
Et il se fait tard. Ça ne me regarde pas. Et sachez que vous êtes en train de jouer avec le feu. Parce que tôt ou tard, vous allez vous brûler. Tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Est-ce que ça va? Oui. Tu m'as fait peur. Je suis désolé. Qui est-ce qui t'a harcelé au téléphone? Écoute, peut-être que j'ai perdu la puissance de mes forces. Mais je peux toujours y remédier. Regarde, ce n'est rien d'important. C'est juste un ex dérangé. Mais, viens-tu de dire que tu aurais perdu la puissance de tes forces? Oui. J'ai perdu tout ce charme au moment où je t'ai fait l'amour. Alors, dis-moi. Essayes-tu d'être une Delilah dans ma vie? Tu es si drôle. Bien sûr que non. Une Delilah. Tu es vraiment drôle. Bien sûr que non. Alors, as-tu idée du nom que nous allons donner à notre enfant? Je pense qu'on devrait le nommer Aramefula. Aramefula? Qu'est-ce qui te fait croire que ça sera un garçon? Hein? Parce que je connais mon garçon. Et mon garçon me connaît. Je vois. Alors, et... si ça tombe que c'est une fille, dis-moi, comment allons-nous l'appeler? Une fille? Pourquoi ris-tu? Si c'est une fille, comment allons-nous l'appeler? Si c'est une fille... Tu ne veux pas de fille? Si c'est une fille, on l'appellera Kitty. Ok, c'est bon, c'est bon. Oh mon Dieu, tu es si drôle. T'aimes pas le prénom, Ikiti. Ce n'est peut-être pas la bonne décision prise, mais... je suis heureuse de l'avoir fait. Comme on le dit souvent... l'amour nous fait faire les choses les plus stupides et irraisonnables sur Terre. Allez, dépêche-toi, on va rater le vol. C'est pour cette raison que je déteste me rendre chez les femmes. Ah, mon cœur, je suis vraiment désolée. Oh, je suis là. Ce vol, ça sera la fin. Je suis désolée, vraiment désolée. Hé! Hey! Mets en l'air, jeune homme! C'est ici que votre chemin s'arrête. Benny, donc c'est toi? Désolé, mais la justice appelle. En passant, je ne suis pas Benny, mais inspecteur Catherine. Quoi? Inspecteur Catherine. Oui, monsieur. Tiens, voici une photo du criminel et de sa bande. Je vous enverrai cette photo. D'accord, monsieur. Tu sais, ce gars est très, très dangereux. Donc, soyez extrêmement prudente. Je répète, très, très dangereux. Fais-moi confiance pour un bon rapport. Bien. Dorénavant, vous ne vous appelez plus Catherine. Votre nouvelle identité est bénie. Me suis-je bien fait comprendre? D'accord, monsieur.
Et ne révélez jamais votre identité. Ne grillez jamais votre couverture. Oui, monsieur. Gardez un esprit que je ne vous décevrai pas. Benny. Monsieur. Souvenez-vous que si vous grillez votre couverture, on ne vous connaît pas. Bien sûr, monsieur. Je vous souhaite du succès. Merci beaucoup, monsieur. Hé, hey, avancez! Gift, je ne comprends pas pourquoi tu demandes une nouvelle voiture à papa. Je te demande pardon. Mon pardon ne te sera pas accordé. Pourquoi demandes-tu une nouvelle voiture à papa? Et tu as un problème avec ça? Quoi? Aujourd'hui, le mystérieux criminel vient tout juste d'être arrêté par la police pour l'enlèvement et le meurtre de Mlle Obi. Et il a été transféré à la prison municipale. Quoi? Ah! Enfin! Père éternel, merci! Merci, éternel des armées! Madame! Et qu'est-ce que cela signifie? Je ne comprends pas. À quoi nous est dû tout ce vacarme? Va faire ce que je t'ai demandé. Viens. Je suis désolée. Allez dehors. Je suis désolée. Dehors. N'importe quoi. Grande sœur. Gift. T'as été très dur. La dernière fois que j'ai vérifié, papa et maman n'ont pas élevé des monstres. Attends, attends. Et à qui est-ce que l'autre aussi s'adresse? Hein? Si je te donne une claque, papa et maman ne vont pas te reconnaître. Essaye. Je dis que je vais le faire. Essaye encore. Rien ne va m'arriver. Petite sœur Pierre. Je sais pourquoi je te laisse, Gif. C'est ton petit problème. Mmh. Ouais. Dieu nous rendra justice. Dieu nous rendra justice, ouais. Les grâces vont tomber et elles vont gêner les voisins. Ouais. Dieu nous rendra justice, ouais. Dieu nous a rendu justice, mec. Les grâces vont tomber, elles vont gêner les voisins. Mon gars, c'est comme si mon estomac est en train de gargouiller. On dirait que deux clubs sont en train de jouer une finale. Aïe, aïe, aïe. Foudi veut marquer un but. Aïe. Tu vois, David, quand je te dis de manger de la nourriture saine, tu dis non. Regarde ce que ton estomac te fait. Hein? Mon ami, laisse-moi te demander quelque chose. Ta manière de jubiler, danser et chanter « Dieu ne nous abandonne pas », je ne comprends pas. Tu as gagné au tiercé ou tu es en train de boire la promo qu'on nous a offert parce qu'on est des clients fidèles? Prends une bière et gagne-en deux. Hein? Ne termine pas tout ça, hein? Écoute, tu te fais honte à toi-même. Mais je vais te surprendre. Dieu a révélé le visage de mes ennemis. Tu te souviens de ces criminels dont je t'avais parlé? Ces ravisseurs qui ont enlevé ma future femme. Ils ont été arrêtés par les forces de police. Hein? Eh ouais. Ils sont en prison à l'heure actuelle. Je t'assure. Hey! Merci Seigneur. Donc maintenant on peut avoir la paix dans cette ville. On peut enfin dormir avec les deux yeux fermés. Aïe! Dans ce cas, il me faut te rejoindre pour expérimenter. Hein? Laisse d'abord, Nketi. Attends, on dirait que ton estomac ne te fait plus des scènes. Attends. Mais attends, non, ça continue à faire du bruit. Non. On dirait un joueur qui veut marquer un but. Non. Non, t'inquiète pas, c'était un mauvais signal. Je suis guéri. T'inquiète pas, mon estomac va bien. Il est content, il jubile même. En fait, il a juste besoin que quelque chose y entre pour le mettre à l'aise. Ça va, c'est tranquille, pas besoin de l'appeler. T'es mon pote. Ah. Et je vais t'en donner une gorgée. D'accord. Et je boirai cette gorgée. T'es mon pote à moi. Ceci calmera ton estomac, d'accord? Allez, vas-y, bois. Dans ce cas, tu rejoins le passage biblique qui dit « Prends un peu de vin et ton estomac sera rempli. Ah. » Allez, profite-en. T'es trop fort, tu feras un très bon prêtre, un très bon pasteur. Vas-y, je bois ça avec classe. Bois avec classe. Ne te précipite pas, doucement. Adana. Tata, bon après-midi. Bonjour. Tu es vraiment une fille travailleuse et j'apprécie bien. Adana, s'il te plaît,
Pardonne à Gift pour ce qu'elle a eu à te dire. Ah, ça va. C'est Sœur Gift, alors ça va. Adana, tu es une bonne fille. Merci. Je te le rendrai, d'accord? Ok, tu peux continuer. Elle est tellement gentille. Inspecteur Catherine, vous avez pris une bonne décision. En fait, le moment choisi était le meilleur. Je vous encourage pour ça. Et je veux vous assurer que la police nigériane va vous couronner pour le travail que vous avez si bien fait. Et voyez-vous, ce monstre est une terreur pour la population de cette ville. Donc ce que vous avez fait est le mieux pour nous tous. Donc ce que vous pensez est quasiment impossible. N'y pensez même plus. Mais il est un homme nouveau maintenant. Et il est prêt à rembourser tout ce qu'il a eu à dérober aux gens. Oh, vraiment? Oui. Y compris la vie de la villa. La fille du chief Phoebe, qui l'a assassiné, n'est-ce pas? Il est aussi prêt à le lui rendre. Écoutez, demain matin très tôt, j'aimerais que vous veniez au commissariat pour prendre un chèque de 10 millions de naira en guise de récompense pour le travail que vous avez abattu. C'est pour vous prouver notre reconnaissance et à quel point nous sommes fiers de vous. Venez demain pour prendre votre chèque. Mon amour pour Tima, compte plus que ce chèque. Pardon? Oui. Et pour votre gouverne, je démissionne. Quoi? Pas du tout. Et je suis très sûr que vous ne le pensez pas. Écoutez, agent, je sais comment vous vous sentez. Mais je vous conseille de prendre des congés. Prenez des congés. Question de vous changer les idées. Et une fois que vous serez rentré des congés, je vous assure que vous aurez les idées beaucoup plus claires. Vous reviendrez à de meilleurs sentiments. Et vous effectuerez le bon travail que vous avez l'habitude de faire. J'ai dit que j'abandonne. Je démissionne des forces de l'ordre. Excusez-moi. Agent Catherine. Agent. Quel gâchis. Un brillant agent pourtant, celle-là. Honnêtement, je n'y crois pas. Tu as brisé mon cœur en mille morceaux. Je te faisais aveuglément confiance. Mais qu'as-tu fait? Tu as jeté mon cœur aux ordures. Je n'avais jamais aimé quelqu'un comme je t'ai aimé toi. Tu es la première femme qui fait battre mon cœur. Ouais. Je sais que j'ai fait des choses mauvaises dans ma vie et que je mérite d'être puni pour ça, ça je le sais. Mais je ne devrais pas être puni par toi. Pas par toi. Personne ne mérite ça. Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. Les mots ne sont pas assez pour t'exprimer à quel point je regrette. J'ai si honte de moi. J'ai vraiment honte de moi. Mon cœur est si lourd et il saigne abondamment. Pardonne-moi, désolée. Je ne saurais quoi dire à notre fils, une fois né. Jusque j'ai été forcée de faire un choix entre l'amour et la justice. T'as choisi la justice au détriment de notre amour. T'as choisi la justice avec tout ce qu'on a vécu.
comme si je ne comptais pas pour toi. Dis-moi, combien ils t'ont payé? $10 millions. Mais, je ne l'ai pas pris. Je l'ai rejeté. Je n'ai pas accepté cet argent. Je l'ai refusé. Ne touche pas. Est-ce que tu sais que le petit bout de temps qu'on a passé ensemble m'avait dépensé plus que ça sur toi? Tu le sais? C'est bon. Si jamais quelque chose venait à m'arriver, tu as ma carte bancaire. T'as mon mot de passe. T'as accès à tous mes comptes. Alors vas-y, prends tout l'argent. Prends tout l'argent, comme c'est l'argent qui t'intéresse. Prends-le et va-t'en. Mais non. Attends. Je suis vraiment désolée. Désolée, essaye de me comprendre. Ne me touche pas. Va-t'en loin de moi. Tu me dégoûtes. Va-t'en. Va-t'en. Je ne voudrais plus jamais te voir. C'était du travail bien fait. Merci, chef. Pas tout à fait terminé. Merci, chef. Et ne vous faites aucune inquiétude. Vous pouvez compter sur nous. Et j'ai déjà tout planifié. Et pour ceux qui sont en prison, mes gars qui sont à l'intérieur vont le gérer. Ne vous faites plus aucun souci, chef. Bien. Je peux compter sur toi. Merci, chef. Je suis sur le point de vous faire un virement bancaire. Merci, chef. Merci, chef. Merci, chef. Que diable pensiez-vous? Après que vous m'ayez pris ma fille, vous pensiez que j'allais laisser la justice en charger? Jamais. Et pour le reste, je les aurai un par un. C'est juste une question de temps. Personne ne s'amuse avec Chifobi et s'en sort indemne. Il est parfois nécessaire que des gens bien changent de camp pour que les choses tournent bien. Écoute, bébé. Oui, chérie. Je t'ai fait venir ici aujourd'hui pour qu'on puisse parler de quelque chose d'important. Je mène une vie que moi-même, je ne comprends pas. Alors, j'ai décidé de mettre mes idées en place et me trouver une femme pour moi. Et vraiment, je te vois comme une femme soumise. Et je t'ai fait venir ici aujourd'hui pour te dire que je voudrais bien t'épouser. Oh, au moment Dieu. Où tu accepteras d'être ma femme, je te promets, chérie, de venir voir tes parents pour régler toutes les factures et j'organiserai notre mariage et je t'emmènerai hors du pays. Oh mon Dieu. Oh, je t'aime tellement, j'ai hâte d'être ton épouse. Tu es sérieuse là? Oui. Vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Ah. Mais qui êtes-vous? Inspecteur Rougo. Du corps spécial du département du kidnapping et du vol. Et je suis l'inspecteur Jack. Vous êtes recherché par la police nigériane pour toutes les atrocités que vous ne cessez de commettre dans cette ville avec votre gang de criminels. Je vous conseille de nous suivre paisiblement. Mais je... Vous êtes appelé à garder le silence. Parce que tout ce que vous direz ou ferez sera utilisé contre vous au tribunal. Officier, s'il vous plaît, c'est mon petit ami, je le connais très bien, c'est pas un criminel. Et avancez! Officier, s'il vous plaît. Bébé, calme-toi. Je reviens. Je reviens, bébé, te retrouver, ok? Avancez! Oh mon Dieu! Et rappelle-toi ce que je t'ai dit. Tiens, okay? Bon, avancez!
Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh Seigneur. Qu'est-ce que je fais? Allez, entrez, les filles, entrez. Prenez place, les filles. Oh, merci. Merci. Barman. Barman. Qu'est-ce que vous voulez prendre? Vous êtes la tête d'arrestation. Mais comment? Inspecteur Hugo. Et inspecteur Jack. De la police nigériane. Mais qu'est-ce qui se passe ici? De l'équipe spéciale du département du kidnapping et du vol. Ashida. Comment est-ce possible? Vous êtes recherché par la police nigériane pour un événement. Ashiga. Écoutez attentivement, monsieur. Faites très attention à ce que vous dites. J'ai le doigt sur le détenteur. Écoutez, les gars, on peut régler ça entre nous. Officier, s'il vous plaît. Taisez-vous. Les filles. Je vous conseille de garder le silence, car tout ce que vous direz serait pour être utilisé contre votre tribunal. Ashuga. Maintenant, avancez. Mon doigt est toujours sur la gâchette et je perds patience. Par ici. Ne touchez pas ce téléphone et avancez. Avancez. Je vous rappelle que j'ai toujours le doigt sur la gâchette. Avancez. Avancez. C'est par ici. Par ici. On peut régler avancez. Ça calmement. Avancez-vous. Y a pas de quoi s'énerver. J'ai dit avancer. C'est quoi cette histoire? On peut régler ça, les gars. Après le jugement de la cour, les criminels ont été jugés coupables à vie pour l'enlèvement et le meurtre de premier degré et sur votre fille. Alors, Tiff, qu'avez-vous à dire? Eh bien, tout ce que j'ai à dire, c'est que ces criminels ont eu ce qu'ils méritaient. Et je sais maintenant que l'esprit de ma fille trouvera enfin le repos où qu'elle soit. Ça me fait plaisir. D'accord. Waouh, c'était rempli d'émotions. Merci, Tiff. Bien, inspecteur, qu'avez-vous à dire à propos de ce procès? Sincèrement, je suis heureux. Je suis très heureux que ces criminels aient eu ce qu'ils méritaient. Au moment où je vous parle, ils ont tous été reconnus coupables et puis j'ai une peine de prison à vie. En fait, ceci est valable pour nous tous. C'est valable pour notre société. C'est clair pour notre État. Les criminels ont été arrêtés, puis jugés à une peine de prison à vie. Vous savez, aujourd'hui, les gens peuvent paisiblement dormir les yeux fermés. Avant, aujourd'hui, ces criminels terrorisaient carrément toute la société. Donnant aux gens les insomnies, en enlevant et tuant les personnes innocentes. Mais aujourd'hui, ils purgent une peine de prison à vie. Et tout cela a été mis à terme. Et je suis très heureux. Je suis content de faire partie de cette histoire glorieuse. Je vous remercie. D'accord. Merci, inspecteur.